Ce lundi 28 novembre, Touche pas à mon poste accueillait une nouvelle chroniqueuse. Rizlen Selika, la journaliste qui avait co-réalisé le numéro de complément d'enquête sur les influenceurs, a rejoint l'équipe de Cyril Hanouna. Cyril Hanouna proposait, ce lundi 28 novembre, un nouveau numéro de Touche pas à mon poste. Les chroniqueurs n'ont pas manqué de raconter leur week-end au trublion de C8, revenant sur le match de l'équipe de France de football face au Danemark. Parmi eux, les téléspectateurs de la chaîne ont pu distinguer un nouveau visage, celui de Rizlen Selika, qui a rejoint l'équipe en cours de saison. Ce n'est pas la première fois que Cyril Hanouna accueille de nouveaux venus en dehors des périodes de reprise. Il y a quelques semaines, Zakaria avait ainsi fait son apparition sur le plateau. La journaliste avait déjà participé à TPMP en tant qu'invité. Rizlen Selika n'est pas une inconnue pour les téléspectateurs de C8. Cette journaliste était en effet venue sur le plateau de C8 pour défendre le documentaire qu'elle avait co-réalisé pour complément d'enquête, Arnaque, Fric et Politique, le vrai business des influenceurs. Un sujet qui avait fait couler beaucoup d'encre au moment de sa diffusion. La répartie de la journaliste avait visiblement séduit l'animateur. Rizlen, on s'est connu, t'étais venu pour une enquête que tu avais faite dans Envoyé spécial. Et je l'ai trouvé super. Vous avez vu quand elle parle, on écoute. Si est-il fou, si est-il tout le contraire de nous. On est très content que tu sois là, c'est enthousiasmé Cyril Hanouna. Rizlen Selika collabore avec plusieurs médias français, parmi lesquels Paris Match, et réalise des reportages pour France Télévisions, M6, RMC Story. Elle intervient également sur les ondes de Sud Radio dans l'émission Loft Music présentée par Yvan Cugiou, afin de mettre en lumière les musiques du monde. Le numéro de complément d'enquête dédié aux influenceurs avait battu des records. Le numéro de complément d'enquête co-réalisé par Rizlen Selika sur les influenceurs avait battu un record historique, comme l'avait révélé Tristan Walex, le journaliste et présentateur de l'émission sur Twitter. 372 000 visionnages en 24 heures sur la plateforme France TV, ce n'était tout simplement jamais arrivé dans l'histoire de France Télévisions, tout programme confondu, pouvait-on lire sur le réseau social. Il n'avait pas manqué non plus de faire réagir les candidats de télé-réalité cités dans l'émission. La journaliste Rizlen Selika rejoint l'équipe de hashtag TPMP, visage souriant, dièse 6 à 7 pic. twitter.com/20nrvfr792tpmp@tpmp, November 28, 2022. Touche pas à mon poste, à retrouver en intégralité sur l'application MiCanal.